Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Il y a quelques semaines, j'avais essayé la fabrique à bonbons tête brûlée. Vous étiez nombreux à avoir apprécié. Et entre temps, ils ont sorti un nouveau modèle pour fabriquer ses propres granités. C'est la saison, alors je me suis dit pourquoi ne pas découvrir ça ensemble. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme d'habitude, nous allons commencer par ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouve une machine à piler. La notice, c'est à partir de 7 ans, les pieds en caoutchouc de la machine qu'on installera tout à l'heure, les différents arômes artificiels, visiblement ce sont les mêmes que la première fois, nous avons pommes, framboises, fraises et citron, une petite boîte et une cuillère. Et visiblement, il manque un sachet d'acide citrique. Regardez, il n'y a plus rien dans la boîte. C'est la première fois que j'ouvre un kit et qu'il me manque quelque chose, heureusement que j'ai l'ancien, puisqu'à l'intérieur, il y avait les mêmes ingrédients et donc... Comme vous pouvez le constater, j'ai une autre petite boîte où il reste un petit peu d'acide que je vais pouvoir utiliser. Vous voyez, ce sont exactement les mêmes. Enfin bref, cette vidéo commence mal. Et pour une fois, ça ne vient pas de moi. Pour commencer, je vais sortir la machine de son sachet. Et donc, on va y installer les petits pieds. Ah ! Même pour ça, je suis pas doué. À présent, il vous faut un récipient avec un bec verseur. Et on va y verser 250 ml d'eau. Parfait. Bon, j'en ai mis légèrement trop. Maintenant, on va prendre la mini cuillère et on va y verser 2 doses d'acide citrique. 1, 2. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit entièrement dilué. Maintenant, je vais prendre mon sachet d'arôme à la fraise et je vais le verser à l'intérieur. C'est juste parfait. On dirait de la grenadine. Et désormais, il nous faut des moules à glaçons que nous allons remplir. Faites juste attention à ce qu'ils ne soient pas trop gros. On va commencer par celui-ci que je trouve super original et qui a des formes de diamants. Donc on va faire bien attention. Parfait. Le problème, c'est qu'il faut viser d'une certaine hauteur. Sinon, on en met partout. Magnifique. Ça devrait rendre plutôt bien. Alors ça, c'est fait. Vous le voyez, il reste pas mal de quantité, donc on peut remplir 4 à 5 moules sans problème. Mais personnellement, je ne vais en faire que 2 pour les besoins de la vidéo. Voilà. Donc là, normalement, tout va être rempli à ras-bord. Ouais, parfait. Et pour finir, il ne reste plus qu'à mettre ça au congélateur pendant au moins 3 heures. Et je vais faire attention parce que là, c'est une sortie malaisante et délicate. Me revoilà, j'ai profité de la pause pour tester un deuxième parfum à la pomme. Je me suis dit que ce serait sympa de voir la différence. Donc on ne va pas tarder puisqu'évidemment ça fond et il fait très chaud dans le studio. Je vais prendre un verre et on va y verser l'équivalent en glaçons pour le remplir. Ah ouais, ils sont magnifiques, j'adore. Oula, ça coule déjà, j'en ai partout sur les mains. Faut que je me dépêche. Et ça coule et ça coule. Il en faut de la quantité pour faire un granité. Je vais casser ça. On va faire des petites bulles. Parfait. J'adore. Franchement, ma passion. Donc, 2 moules à glaçons servent à remplir un petit verre. Et maintenant, nous allons ouvrir le socle et on va y verser le contenu. Je sais pas si ça rentrera, hein. C'est très petit. C'est une blague, c'est déjà complet. Bon bah écoutez, c'est vraiment petit. On va faire avec. Et donc, il faut refermer, bien évidemment. Regardez, il y a un espèce de ressort, je pense qu'il faut presser. Ah ouais, c'est bon, ça marche. Ouh là là, c'est quoi cette histoire? J'ai peur de casser la machine, en fait. Ah, j'y suis presque. C'est bon, j'ai réussi à fermer. Ça m'a l'air assez serré. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tourner. Nous allons bien voir si j'ai de la glace pilée au final. Oh oui, ça marche. Oh, le bruit n'est absolument pas agréable. Bon, le verre est un peu bancal du coup, mais en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Mais j'adore. Franchement, c'est assez sympa à faire. Et donc, nous avons notre glace pilée, qui est toute rose. Mais niveau quantité, je suis quand même assez déçu. Je pensais que ça en ferait plus. Je vais faire pareil vite fait avec la verte. Ouh là là, c'était pas une bonne idée. Il en reste plein, donc je vais verser ça comme ça. Super. Du coup, je vais aller nettoyer ça et on pourra faire le deuxième verre. Donc, je vais me dépêcher, puisque ça a déjà bien fondu, il y a du liquide et tout. Oh là 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 là.
Ouais, ça se transforme déjà en flotte. Ah non, mais c'est une catastrophe, là. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, j'espère au moins qu'ils seront bons, hein, parce que là, je suis en train d'en mettre partout. J'ai l'impression qu'il n'y a déjà plus rien. C'est une blague. J'aurais fait de mon mieux. Ah, il y a de l'eau sur mes pieds. Ça coule d'où? Ah, ça coule d'ici. Voilà. Bon, niveau quantité, ça laisse à désirer, mais ça suffira pour goûter. Je vais voir si je trouve pas des pailles, et on va pouvoir y aller. Voici donc le résultat. Visuellement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter pour voir si ça a réellement le goût de tête brûlée. On va commencer par le verre qui est à la pomme. C'est rafraîchissant, c'est bon. C'est vraiment pas mal. Et donc, à la fraise, qui est un parfum que j'aime moins, mais il a quand même l'air plus réussi, celui-ci. Honnêtement, j'aime beaucoup. On pouvait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus fort. Mais non, là, je pourrais boire un verre entier sans problème. Effectivement, ça pique. Ça cache un petit peu le goût de la fraise. Mais c'est pas comme les bonbons où tu peux pas en manger des dizaines d'affilée parce que ça t'arrache littéralement la langue et la gorge. Là, c'est beaucoup plus soft et ça passe très bien. Donc écoutez, je suis vraiment satisfait du résultat. C'est l'heure du verdict, il n'y a qu'un seul point négatif que je peux soulever, c'est qu'il n'y avait pas tous les ingrédients au moment de l'ouverture, ce qui est assez bizarre, j'espère que c'est un cas isolé, mais quoi qu'il en soit, je pense que ça plaira aux plus jeunes, notamment pour cet été, après tout c'est la saison des granités, donc je ne peux que valider ce crash test. C'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir la vidéo de Victoire qui a réalisé cette magnifique figurine Tsum Tsum à mon effigie. Franchement, je suis complètement fan, elle le mérite, donc foncez-y. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.